Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler des soins Bar Minerals. Donc j'ai pu tester différents produits, j'en ai testé 5 au total et je voulais vraiment vous en parler parce que on connaît beaucoup Bar Minerals par rapport au maquillage, mais ils ont également une ligne de soins et qui est vraiment vraiment hyper intéressante à tester. Donc je vais vous présenter les différents produits que j'ai pu tester et vous donner mon avis parce que je les ai tous essayés. Donc cette vidéo va être dédiée à la marque Bar Minerals. Premier produit, c'est celui-ci, c'est une mousse nettoyante. Alors vous avez des extraits minéraux à l'intérieur, bien évidemment des infusions de différentes plantes et de différentes fleurs. Je trouve que ce nettoyant intense, doux, est vraiment efficace. Il maintient l'hydratation de la peau, il la décape pas du tout. Il est hyper économique parce qu'il faut une petite quantité pour faire une mousse assez onctueuse. Vous le massez sur peau humide, ça crée une mousse, ça nettoie bien. Donc vraiment rien à dire sur ce produit, très convaincant et très convaincu. Ensuite, j'ai pu essayer un autre nettoyant, donc c'est plus un nettoyant pour les peaux qui ont des imperfections et des problèmes. C'est une gelée anti-imperfection, toujours pareil. Donc là, vous avez des extraits de gingembre à l'intérieur, de la menthe poivrée et des extraits minéraux aussi pour le côté très purifiant. Vous avez du zinc aussi. C'est une gelée qui est assez purifiante, je trouve. Alors, il ne faut pas l'utiliser vraiment tous les jours parce qu'elle purifie beaucoup. Donc, elle a tendance à déshydrater un tout petit peu la peau. Mais si vous avez des petits boutons, des imperfections qui apparaissent, c'est vraiment bien d'avoir une alternative en fait à un nettoyant. Donc, c'est pour ça, moi, que j'utilise différents nettoyants, donc celui-ci au quotidien, et quand j'ai des petites imperfections, je peux de temps en temps utiliser celui-là. Ensuite, toujours dans le nettoyage un petit peu, on est sur l'exfoliant, donc c'est une poudre exfoliante au charbon, à la rose, à l'orange, au riz noir et aux minéraux. Donc ça se présente comme ça, en fait c'est un petit flacon. Vous avez à l'intérieur donc de la poudre que vous mélangez soit à votre nettoyant Bar Minerals, soit à votre nettoyant quotidien, habituel. Ou sinon, vous vous en mettez un petit peu dans le creux de votre main avec de l'eau et ça permet vraiment d'exfolier la peau en douceur. Je trouve que ce genre de format, ça arrive de plus en plus sur le marché et c'est hyper économique. Et je trouve que c'est bien parce qu'on peut mélanger de la poudre nettoyante active, parce que ce sont des actifs, à différents nettoyants, à n'importe quel nettoyant, et ça crée un gommage en fait. Donc c'est, je trouve, hyper intéressant. Donc vraiment assez conquis par ce gommage là. Moi j'aime bien aussi essayer différents gommages. Donc là c'est une poudre très très fine, donc même les peaux sensibles peuvent l'utiliser, il n'y a pas de problème et contre-indication. Ensuite j'ai essayé le masque Dirty Detox. Donc c'est un masque au charbon, aux extraits minéraux et à la papaye, aux enzymes de papaye. Donc c'est un masque qui est assez foncé. Il se présente comme ça en fait, je l'utilisais pas mal de fois. Je le trouve assez efficace, alors un tout petit peu asséchant en mon goût, c'est-à-dire qu'il débarrasse vraiment de toutes les impuretés, il renouvelle un petit peu la surface de la peau avec les enzymes de papaye. Vous avez le charbon qui va venir absorber vraiment toutes les impuretés et l'excès de sébum, et les extraits minéraux qui vont un petit peu redynamiser, restimuler la peau. Donc vraiment pas mal du tout, j'aime beaucoup les packaging par contre, je trouve qu'ils sont hyper qualitatifs. C'est en plastique, mais je trouve que c'est assez robuste et assez classe. Ça me fait penser à un petit peu au packaging de Sunday Riley selon les produits. Ça ressemble un petit peu à ça, le flacon, le bouchon blanc et le reste coloré. Donc vraiment, si vous êtes à la recherche d'un masque à la boue, aux minéraux détoxifiants, purifiants, absorbants et désincrustants, vraiment vous pouvez essayer ça, c'est une valeur sûre. Et pour finir, j'ai pu tester l'émulsion de la gamme Smart Combination. Alors j'ai pas eu le temps vraiment de l'essayer sur le long terme parce que j'ai ma routine propre actuelle, mais j'ai quand même voulu l'essayer pour voir la texture, le rendu, le confort sur la peau. Cette émulsion là, le peu de temps que j'ai utilisé, j'ai pu voir qu'elle hydratait bien, elle a un petit côté lissant et uniformisant je trouve. La texture est agréable, c'est léger, ça hydrate, ça fait son job. Le packaging, encore une fois, je trouve que les packaging sont vraiment réussis, sont vraiment de qualité, je trouve. C'est assez joli, c'est minimaliste, mais c'est joli. Donc c'est tout pour les produits, j'ai pu en essayer, vous voyez quelques-uns. Il y a différentes gammes, je vous invite à aller voir le site, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous voulez plus de renseignements ou plus de détails sur les produits, n'hésitez pas à réagir en commentaire, j'y répondrai comme d'habitude. Et moi, je vous retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous, bye.